Dany, pourquoi tu rampes dans le noir? Tu dormais vraiment? Non, c'est bon. Je fais des super économies d'ampoule. Ça fait 2 mois que je dors plus. Insomnie chronique. Hypnose, acupuncture, ça marche pas tous ces trucs. T'es toujours debout? T'as passé une bonne journée. Oh, j'ai vu une pub pour des nouveaux somnifères. Non, ça va pas te mettre KO, ça va juste te donner l'impression que tout a le goût de chou. À part le chou, qui a déjà un goût de chou. Petit toutou. Je pourrais lui mettre une selle et faire du cheval avec. Désolé, c'est l'heure où mon lit m'appelle. Salut. T'es debout? Tu sais l'appli sur laquelle tu m'as inscrit? J'ai eu un match. C'est génial. Celle qui n'a cessé de t'appeler toute la soirée. On est juste potes. Il est clair que vous êtes plus que ça. C'est un peu comme si Lisa plonge dans un monde bien à elle dont je connais absolument rien. Bonsoir. J'ai rien volé. Quoi? Quoi? Oh mon dieu. Quoi? C'est un énorme troupeau de vaches. Des vaches? Ça attaque les vaches? Bouge pas, je regarde. Ouais, 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 absolument. Et elle tue aussi. Quoi? Je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est de voir ton partenaire qui reprend vie à la seconde où toi, tu vas dormir. Je sais pas du tout quoi faire. On fait tous du mieux qu'on peut. Il suffit qu'une personne te voit telle que tu es, qu'elle te voit réellement. Ce soir, c'est le grand soir. C'est un premier rendez-vous. J'ai eu quelques idées qui pourraient l'aider à se sentir plus à l'aise. Pourquoi tu mettrais pas un cadenas sur ta braguette? Je pense que ça la mettrait vraiment à l'aise. Pourquoi? Mais tu le penses vraiment? Non.